Coucou, je suis Sahou, vous allez bien? Bienvenue sur ma chaîne. 今天我们来说说开灯、开各种电器，比如开电脑、开电视、开微波炉等各种表示开这个意思用法语怎么说。大家千万不要只会用 ouvrir 这个词。首先我们来说说开一些电器，比如开电视，我们可以用 allumer 这个动词。开电视就是 allumer la télévision 或者 allumer la télé。比如 je veux regarder le match de foot, est-ce que tu peux allumer la télé?那么表示关电视我们可以用 éteindre 这个动词 éteindre la télé 关电视同样的开电脑我们也可以用 allumer allumer l'ordinateur 或者 allumer l'ordi 比如 tu sais comment allumer cet ordinateur tu sais comment allumer cet ordinateur 同样的关电脑就是 éteindre l'ordinateur 或者 éteindre l'ordi 接着开电脑我们还可以用 démarrer 这个动词 démarrer l'ordinateur 或者 démarrer l'ordi表示开电脑关上电脑除了用 éteindre 这个动词我们还可以用 arrêter arrêter l'ordinateur 或者 arrêter l'ordi 接下来表示开灯同样的我们还是可以用 allumer 这个动词 allumer la lumière 开灯比如 la nuit tombe allumer la lumière la nuit tombe allumer la lumière 那么表示关灯同样的我们还是用 éteindreEteindre la lumière. 接着表示开灯我们还可以用 mettre 这个动词 Mettre la lumière. 表示关灯除了用 éteindre 我们还可以用 couper 这个动词 Couper la lumière. Couper la lumière. OK, 说完开各种电器接着我们来说说开车的开怎么用法语表示首先我们还是可以用 démarrer 这个动词 démarrer la voiture 表示的就是开车让车启动比如 donne-moi la clé pour démarrer la voiture donne-moi la clé pour démarrer la voiture 那么让车熄火我们就可以说 arrêter la voiture arrêter la voiture 接着表示开车让车启动我们还可以说 allumer le moteur allumer le moteur 那么让车熄火我们就可以说 éteindre le moteurEteindre le moteur. 那么什么时候我们用 ouvrir 表示开呢？首先把某物品打开，我们就可以用 ouvrir 这个动词。比如开门 ouvrir la porte， 开窗 ouvrir la fenêtre， 开盒子 ouvrir la boîte。接着开水龙头这个动作，我们也可以用 ouvrir。开水龙头就是 ouvrir le robinet， ouvrir le robinet。我们也可以说 ouvrir l'eau， ouvrir l'eau。Voilà, c'est tout pour la vidéo aujourd'hui. 希望你掌握了开这个动作如何用法语表达。最后往常一样，如果你正在学习法语，想提高你的法语水平，让你的法语更地道，我推荐你可以看看我的法语电子书《Parler comme un français》以及我的法语笔记《语法一点通》。同时，如果你想开始学习法语，我推荐你可以看看我的法语发音入门课程，在上面我会对法语所有的发音进行系统详细的讲解，大家可以点击置顶评论的链接来了解更多。最后呢，不要忘了点赞和关注我的频道，我们很快下期视频见 ，Ciao。